Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, Carrefour a publié pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 1,9% à données comparables à 23,3 milliards d'euros après une hausse de 0,5% le trimestre précédent. C'est supérieur aux attentes des analystes. Sur l'exercice 2017, les ventes ont progressé de 1,6% à données comparables à 88,2 milliards d'euros contre une progression de 3% en 2016. Les analystes de l'OPSA sont baissiers, visent des cibles à 17,30 € et 16,80 €. Toujours dans l'actualité, Airbus a reçu une commande de 36 appareils A380 de la part d'Emirates Airlines pour un montant de 16 milliards de dollars. Par ailleurs, selon le journal économique norvégien E24, le constructeur aéronautique serait en discussion avancée avec une compagnie scandinave pour un contrat portant sur la vente de 40 à 50 appareils courts et moyens courriers. Les analystes de l'OPSA sont aussi et visent des cibles à 96 et 100 euros. Du côté de la stratégie du jour, maintenant, nous nous intéressons à Natixis. Le titre évolue à la hausse depuis le début de l'année 2018, après être sorti d'une phase de consolidation en élargissement suite au trou de cotation haussier ouvert à 6,672 € le 4 janvier dernier. Par ailleurs, le titre évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, tandis que le RSI se trouve en zone de surachat. Ainsi, on profitera d'une phase de consolidation pour se porter à l'achat sur le titre et viser des cibles à 7,61 € et 7,94 €. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warrant Call 0439T émis par UniCredit de prix d'exercice à 7 € et de maturité au 13 juin 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice DAX 30. L'indice allemand teste sa moyenne mobile à 20 jours autour de 13 161 points. Même si une poursuite du mouvement de consolidation ne peut être exclue à court terme, son ampleur devrait être limitée. Une reprise de la progression est privilégiée avec en dépassement des 13 525 points, la cible à 13 740 points en ligne de mire. À cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warrant Call 4373T émis par UniCredit de prix d'exercice à 13 600 points et de maturité au 15 juin 2018. À la Bourse de New York, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à bientôt.